Bon bah messieurs dames, regardez-moi ça. Street Triple S 2020. Ça c'est bon ça. Ah j'ai une voiture devant moi. Combien? 'Fantastique! Alors que dire de cette Street Triple S version A2? Je tiens à le préciser. Alors c'est une 660. Concernant toutes ses caractéristiques, on est sur du 3 cylindres, 160 kg, je ne sais plus combien sec. À plein, elle a 4 kg de plus que la MT07. Donc vraiment tout autant un vélo que la MT07. Si on parle du look, bon. Mais elle a de la gueule, clairement elle a de la gueule, elle est fantastique. D'ailleurs, on peut très difficilement la différencier du... on peut très difficilement la différencier d'ailleurs de la Street Triple RS, hormis les couleurs et quelques finitions. À l'avant, on n'a pas du Brembo et on n'a pas des suspensions Ohlins. Mais très sincèrement, elles font vraiment bien le travail. Le châssis, oh là là, le châssis, c'est... On a le peps, on a le son d'origine. Oh, pour contre, pour le lent, franchement, là, je suis en train d'essayer de faire du lent. Ça s'y prête vraiment, vraiment pas mal. Là, je compare par rapport à la MT07, j'ai vraiment un retour dessus. Ah, mais la prise en virage, le châssis. Oh, ah, mon kiff. Ah, c'est bon, là, je me fais mon petit kiff. Tu peux autant. Là tu, franchement, t'es à 30. T'es bien avec la moto. Tu peux rouler tranquille. Écoutez-moi ça. Mais alors, bon, par contre, il est où? Il est où? Il est là. Ok. C'est un bijou. C'est un monstre, c'est fantastique. En plus cette vue là aussi, c'est fantastique. Regardez-moi ça, regardez-moi la tête qu'elle a, regardez-moi ses optiques, fantastique. Merci Triomphe de La Rochelle. Je mettrai le lien ou quelque part à l'image ou dans la description. Elle est bon là, vous avez eu le droit à mes réactions à chaud. Oh là là, mais cette prise. Oh, oh là là. Oh là 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 là. De la découverte de cette Street Triple S. Et après, on va faire un peu plus de sérieux tout en restant sauce émotique. Hein. Oh, j'adore. Oh, je suis fan. Très 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 agréablement surpris de la moto. J'aurais pensé avoir plus de difficultés à, je sais pas, la rouler, à la prendre en main, et en finalité c'est très très instinctif, très intuitif. Bon, alors c'est tellement dommage que on n'entende pas aussi bien le son réel à celui de la GoPro. Mais je vous promets, ça chante, c'est beau. Oh là 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 là, mais c'est... On arrive un petit peu au... C'est même pas un point négatif, c'est normal parce que c'est un tricylindre. C'est qu'en dessous de 20, en deuxième, ça vibre pas mal et tu sens qu'elle dit vas-y, passe le rapport du dessous s'il te plaît. Oh. Eh ben, cette moto, mamma mia. Mamma mia.
petit point de vue. Regardez-moi ça. Est-ce que ça, c'est pas beau? Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh. Voilà. Ah, alors là. Ah, mais alors l'envoi et le freinage, elle est fantastique. Oh, ça va. Et, mais vous me saoulez avec vos zones 30. Et je vous jure, les Rochelais et tous ceux qui habitent autour, mais je vous plains, mais je vous plains tellement. Après, peut-être que vous savez où vous pouvez rouler aussi ou pas. Mais franchement, il n'y a que des zones 30, il n'y a que des radars mobiles. Et... Donc là, petit point, après une journée avec ces Street Triple S, sachant que je vais encore rouler demain matin. Donc là, le but de faire des 30, de la voie rapide, de l'autoroute, etc., c'est de tester la moto en toutes conditions. En ville, comme dit, hormis jouer sur en première, deuxième, elle est hyper agile, hyper légère. Sur l'autoroute, bon, elle envoie quand tu as envie d'envoyer. En fait, tu as envie de jouer avec les rapports, mais en même temps, tu n'as pas envie de les passer. Tu vois, tu veux juste accélérer et te faire plaisir. Vous comprenez pourquoi j'ai pas envie de passer les vitesses? Ah, ça chante tellement bien. Oui, oui, il pleut. Non. Alors. Alors on va faire un petit topo général. Sa patate. Franchement, bon, j'ai pas essayé le mode pluie. Même quand il a un peu plu hier soir, je l'ai pas essayé. Mais ça part, mais alors tellement bien. Ah, regardez-moi ça. Ça bouge comme un rien. Elle est hyper agile. Je trouve que la répartition des poids est nettement meilleure que certaines de ses concurrentes, du fait qu'on a l'impression qu'elle est beaucoup plus légère. Je prends l'exemple de la 07. La 07 est 4 kg de moins, mais là en gestion avec la moto et tout, je trouve que celle-ci est beaucoup plus légère. Alors, pour l'essai, ça freine extrêmement fort. Voilà, ça pep, ça bouge, c'est hyper souple. Bon, faut dire ce qu'il y a, les pneus Corsa, ça aide aussi pas mal. Très très bons pneus, c'est la première fois que je les essaye, ils sont vraiment top. Je pense que je les prendrai, je prendrai peut-être des Corsa 3 quand j'aurai mes pneus d'origine sur la MT à changer. Les passages de rapport sont vraiment smooth, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là je vais aller faire le plein et après malheureusement on va la rendre parce que c'est un coup de cœur. C'est clairement un coup de cœur. Premier 3 cylindres et très franchement, j'ai pas forcément pu la tester, l'exploiter comme j'aurais voulu. Je l'ai essayé de la mettre dans toutes les conditions histoire de voir comment elle réagissait. Elle est aussi autant à l'aise sur petite route. On va juste faire attention. Bon monsieur quand même. Faire attention aux oreilles du chien. Voilà. Elle est comme dit hyper à l'aise. Et dans le long, enfin dans les bouchons, et sur la route, et sur l'autoroute. Elle est à l'aise partout. Même sur du gravier. Hein. elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Allez. Alors c'est une belle petite bombe. Ah, je crois que j'ai
relevé un peu la roue. En point positif, bah, son peps, sa reprise, légèreté, agilité, bon, tenue de route grâce au pneu Rosso. Le freinage aussi, le freinage est très très bon. Ça chante bien, c'est coupleux. Le look 2020, il est, bah, faut dire ce qu'il y a, il est fantastique. Moi personnellement, j'aimais pas les Street Triple, alors j'aimais bien le carénage, mais l'avant, je sais pas, j'avais un problème avec les optiques, je n'aimais pas du tout les optiques. Et ben là, cette version 2020 me fait complètement changer d'avis, et c'est ce qui fait d'ailleurs que depuis cette version 2020, j'ai envie de prendre une Street Triple RS. Elle a tout, franchement, elle a tout pour elle, cette moto. Alors après, si on parle du prix, il me semble qu'elle est à 8 ou 9 000 euros. Je vous mettrai l'information qui s'affiche là quelque part sur votre écran. Ah oui, ça aussi, j'ai un peu de problème avec la béquille. Alors c'est vraiment juste du détail, mais pour l'attraper, je trouve que c'est un peu plus compliqué qu'avec d'autres motos. Ah, ticket, merci bien. Ouh, réflexe. Ce qui est bien aussi, et là je ne l'ai peut-être pas précisé pour ceux qui aimeraient bien se différencier, beaucoup de personnes regardent la moto. Alors oui, c'est peut-être aussi parce que c'est la version 2020 et qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Mais c'est à noter, beaucoup de personnes regardent la moto. Les enfants, alors ça, les enfants, de toute façon vous l'aurez vu dans la vidéo. Ah, c'est parti. Bon, dernière belle accélération. Il n'y a personne derrière moi. Il n'y a personne, On va se dépêcher. Attention. Là où il y a toutes les concessions, et là vous avez Triomphe. Et ben voilà, je vais rendre. Ça y est, il faut 6 litres au 100. Bon, pour ce que j'ai roulé, franchement, c'est vraiment pas mal. Allez, bon, c'est fini. Franchement, allez l'essayer, c'est ouf. Je crois que cette moto me fait aimer les 3 cylindres. Bon, on enlève la dernière clé. Voilà. Fini. À une prochaine. Stone série limitée, c'est pas, il y en a 750 dans le monde, et celle-ci c'est la 616e. Tu vois par exemple une pièce comme ça, un T supérieur, ne peut s'acheter que si tu as la carte grise de cette moto. Il y a ces logos là, il y a que ce logo là, il y a que là-dessus, il y a une tête de fourche en carbone peinte, c'est une technique de peinture assez complexe. Il y a une fourche Olin, c'est avec des gros étriers Brembo, ça c'est un alu brossé vernis, un petit liseré et un noir.